vous invite aujourd'hui à me suivre en session avec Delphine au bord de Carpe Expérience. Le but de cette session de quelques jours, c'est vous apporter un maximum d'informations pour pouvoir préparer votre future session. Donc là, on se trouve sur la zone d'accueil. C'est l'endroit où vous allez arriver lorsque vous pénétrez sur le plan d'eau. Donc vous allez pouvoir être accueilli par Delphine et par moi ici. C'est là où on fait le brief d'arrivée. On va notamment aborder tout ce qui est aspect du règlement, les montages bien évidemment, et vous indiquer toutes les modalités. Je vous emmène voir tout de suite les sanitaires. Donc vous aurez accès à la douche par ici. La douche se trouve dans le fond, tout propre, tout neuf, avec l'eau chaude bien évidemment. Vous aurez ici les WC, parfaitement propre et entretenu bien évidemment. Donc là c'est l'un des deux WC, le second se trouve au niveau du poste 4. Une fois les formalités réalisées, il ne reste plus qu'à passer aux choses sérieuses. Vous avez également ici la zone d'embarquement, c'est là que se passe l'embarquement de votre matériel pour que je puisse vous emmener sur les postes 1 et 2 qui sont sur l'île juste en face. Et ensuite, vous pourrez garer votre véhicule sur les places de stationnement qui sont juste là. Pour ces quelques jours, je vous emmène sur le poste 3 qui est juste en face. Pour y accéder, rien de plus simple. On peut faire le tour en voiture sans aucune difficulté. Une fois le matériel déchargé, on ramène le véhicule ici. Je pense que le cadre est vraiment très joli. On sait ce qui nage dedans. Mais moi, j'ai qu'une hâte. Posez les cannes, je vous emmène. Allez, on y va. Concernant le poste 3 sur lequel nous sommes en ce moment, c'est un poste qui peut accueillir deux pêcheurs à 6 cannes sans aucun problème et jusqu'à 8 cannes ça passe puisqu'il y a 2 hectares d'eau environ à pêcher. C'est un poste sur lequel vous allez pouvoir pêcher la berge en face qui se situe à 165 mètres, donc avec un bateau amorceur bien évidemment. Mais comme je l'ai déjà expliqué, la majeure partie des poissons se fait en pleine eau. Donc il n'y a absolument aucun problème pour ceux qui n'ont pas de bateau amorceur, qui n'ont pas envie de pêcher à longue distance, il se fait des carpes partout, en pleine eau, berge en face, sur notre bordure, les poissons naviguent absolument partout. Bon, ça y est, je viens de lancer la deuxième canne. J'étais juste en train de mettre le back lead et elle est partie dans mes mains. Posée depuis 2 minutes, on va dire. Il y a 6 cannes à poser, ça promet. On va pas se plaindre, évidemment. Ça n'a pas l'air trop vilain. Ça tient bien le fond. On y va en douceur, canne basse. C'est important pour limiter les décrochages, surtout sur des poissons qui sont surpêchés. On a la fâcheuse tendance de mettre des bons coups de tête quand elles remontent en surface. Il faut savoir que sur ce poste, je vous montrerai un peu plus tard, hein, quand, en espérant avoir le temps. Bien sûr qu'on aura le temps, on va le trouver. On a des bidons sur la droite. Les poissons ont pris la fâcheuse habitude de tirer sur la droite, hein, au combat. Il faut éviter au maximum qu'elles aillent se foutre dans cette corde qui tient la pompe. Sinon, c'est la décroche ou la casse assurée. Il ne faut pas trop les... Il faut aller en douceur, en souplesse, mais avec fermeté quand même pour pas trop les laisser faire. Comment mieux commencer qu'avec cette magnifique carpe. Super poisson, absolument magnifique. Un écaillage superbe, super carpe, magnifique. Le poisson parfaitement piqué en bas, très propre, piqué à la CX. Comme quoi les poissons apprécient vraiment cet appât. Voilà, décroché proprement. We'll be right back.
reposer tout de suite. Je suis un peu tatillon sur les hameçons. Le piquant des hameçons, c'est très 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 important, surtout sur des poissons qui sont très méfiants. Donc, je parlerai des montages un petit peu plus tard. Mais en tout cas, les pointes d'hameçon, toujours, toujours du piquant irréprochable, super important. Poisson mascotte du lac, la miroir ghost. Poisson magnifique, des couleurs de fou, elle devient vraiment bien bien jaune citron. Elle a bien pris des couleurs. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carpe, ça faisait un petit moment qu'on ne l'ait pas vue. Très content de la revoir, magnifique. Là, je vais mettre un coup de spray sur le... Là on voit qu'il y a une écaille du poisson qui a été arrachée. Certainement dans les branches ou une ligne peut-être sur un combat. Ça a déjà cicatrisé, mais bon, je remets un bon coup de spray par sécurité que ça cicatrise bien. Et ça continue. Ça déroule, ça déroule. Très joli miroir du matin. On va vite la remettre à l'eau. Je pense que l'activité devrait bien s'énerver dans les heures qui arrivent. Allez, ma belle. Pour tous les pêcheurs qui arrivent sur le plan d'eau, on fournit le kit matériel de réception. Donc, il comprend tapis de réception, le sling et l'épuisette. On fournit également le spray désinfectant, le kit de base. Ça, c'est vraiment important pour éviter les transmissions de maladies. Donc, vous n'avez pas besoin de ce matériel-là. Donc, c'est même interdit sur le site. On fournit tout ce qu'il vous faut. En plus, matériel de très bonne qualité, que du haut de gamme de chez Fox. Donc, vous n'aurez absolument aucun problème. Vous pêcherez avec tout le confort nécessaire. Donc là, en ce moment, il fait quand même assez chaud. Le point sensible, quand c'est comme ça en pleine journée, c'est vraiment de manipuler les poissons en toute sécurité. Donc avec ce genre de tapis, effectivement, vous pouvez sortir le poisson, le mettre, l'arroser abondamment, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je préfère faire, surtout quand c'est un petit poisson, j'enlève le fond. Et comme vous voyez, ici, ça permet de poser la carpe. Elle sera dans l'eau en permanence, elle sera en sécurité. Et au moins, il n'y a aucun risque pour le mucus du poisson. Vous voyez là, le poisson est décroché, il est dans l'eau en toute sécurité, vous pouvez faire vos photos, il n'y a absolument aucun problème. Petit conseil, je vois très régulièrement des pêcheurs arroser les poissons et leur passer la main sur le corps. Ça, c'est quelque chose qui est très dangereux pour les carpes, parce qu'on va enlever leur couche protectrice, le mucus tout simplement, et c'est ce qui les protège de tout ce qui est virus, bactéries, de toutes les maladies. Donc surtout, arroser votre prise, oui bien évidemment, mais évitez de passer la main dessus, en fait de la caresser tout simplement. C'est pour elle, c'est la pire chose à faire, et surtout si vous avez les mains sèches, c'est catastrophique pour elle. Donc manipulation dans l'eau, vous voyez, aucun problème. Une fois sur les tapis, tout est bien pensé. Vous avez un scratch ici sur le devant, ça vous permet d'ouvrir le tapis et de remettre votre poisson à l'eau directement comme ça. Hop. Et voilà. Et là, on évite toutes les manipulations. Le poisson n'est pas sorti de l'eau. On l'a manipulé en toute sécurité. Elle est repartie parfaitement bien. Et là, c'est au top.
Donc en ce qui concerne les montages sur le lac, on va reprendre un peu chacun des éléments pour que les choses soient vraiment le plus claires possible pour vous qui allez venir pêcher prochainement. Donc corps de ligne, tresse ou nylon, aucun problème. Donc là on a un corps de ligne en tresse, donc ça pose pas de soucis pour les poissons et donc il y a pas de problème au niveau de son utilisation. Ensuite, élément indispensable et obligatoire, c'est la tête de ligne. Donc j'utilise en 45 centièmes, c'est le diamètre que je préconise, 45 ou 50 centièmes. Plus gros, c'est complètement inutile, il n'y a aucun obstacle en plein eau, donc il n'y a pas de raison d'être monté beaucoup plus gros. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un backlit volant. Donc sur cette canne que je dépose en bateau amorceur, j'ai mis une longueur d'un peu plus d'1,50 m. Et au-dessus, j'ai mis un backlit volant, de façon à ce que, une fois posé au fond, le montage soit complètement plaqué. Et donc, on a une discrétion absolue. Donc ça, c'est un élément qui, pour moi, sur le lac, est très important. C'est vraiment de plaquer ses fils, plaquer ses lignes. Ça empêche des lignes tendues, ça empêche le poisson de circuler librement. Et forcément, ça éveille la méfiance. Et du coup, ça impacte les résultats. Donc, backlit volant... C'est ce genre d'accessoire, hein. C'est vendu chez un peu toutes les marques, donc moi j'utilise cela, ça fonctionne très bien. Ensuite, donc tête de ligne, 1,50 m, 2 m, si on dépose en bateau amorceur, aucun problème. Inutile de faire une tête de ligne de 10 m de long, aucun intérêt. Si vous lancez du bord, l'idéal est d'avoir 2 voire 3 tours de tête de ligne dans le moulinet. Pourquoi ? Parce que ça va éviter d'avoir une casse. Au moment du lancer, si vous appuyez un peu fort. Si vous cassez, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, le montage va partir avec une partie de la tête de ligne. Le montage, naturellement, sera pêchant. Un poisson peut le récupérer et ça pose un problème potentiel pour le poisson. S'il va s'emmêler dans les branches ou quoi que ce soit, c'est forcément un problème. Donc, 1,50 m, 2 m en pêchant bateau amorceur, 2 tours dans le moulinet si on pêche à la frappe du bord. Au niveau du montage, quelque chose de très classique. On va commencer par le clip plomb. Donc clip plomb qui devra être coulissant. Voilà, comme ceci. Donc pas de clip plomb bloqué. Complètement interdit, évidemment. On ne met pas non plus la petite partie en plastique qui bloque le clip avec les mérayons. Surtout pas. Et il faut absolument que le clip plomb puisse se libérer de la tête de ligne. C'est pour ça que tout ce qui est lead core sont interdits. Les leaders en tungstène ou en fluoro également, puisque la taille du nœud empêche la plupart du temps le clip plomb de pouvoir évacuer le plomb. Le résultat, c'est quoi? C'est un poisson, si en cas de casse, qui va se traîner le montage. S'il a une tension permanente avec le plomb, il ne peut pas se décrocher. Donc la seule solution, c'est où il va se mutiler, ou si dans le pire des cas, il va mourir, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que sur certains plans d'eau, on retrouve malheureusement beaucoup de poissons qui sont complètement arrachés au niveau des gueules ou des nageoires. Parce que si les montages ne sont pas adaptés, forcément ça pose un vrai gros problème. Donc ici, clip plomb coulissant, obligatoire. Ensuite, au niveau du bas de ligne, je dirais il n'y a aucune contre-indication. Dans la mesure où si un poisson vient à casser, comme je viens de le dire à l'instant, s'il a peu de tête de ligne derrière lui, et un plomb qui peut se libérer, il va pouvoir se décrocher très facilement. Donc là, j'utilise un baline semi-rigide, hein, très classique. C'est une tresse camotextif en 25 livres, un produit qui fonctionne très très bien, je pêche beaucoup avec ça. Là, j'ai dénudé une partie assez longue, hein, vous pouvez le voir, il y a une dizaine de centimètres. Pourquoi? Souvent, on parle de 1 voire 2 centimètres. Sur les plans d'eau surpêchés, on a des poissons qui vont avoir des comportements de méfiance, à pouvoir décoller les appâts avant de s'en saisir. Donc ça permet d'avoir une présentation de lèche plus naturelle et donc de déjouer un peu plus leur méfiance. Mais c'est aussi et surtout sur des poissons qui pourraient avoir la gueule abîmée à force des captures ou de mauvaises manipulations. Si on les pique encore et toujours sur ces mêmes emplacements, forcément on va les décrocher. Donc le but du jeu avec cette grande partie souple, c'est d'aller les piquer plus loin, plus profond dans la gueule et de limiter les décrochages. Donc c'est pour cette raison que là, j'ai quasiment presque 50% du baligne de dénudé. Au niveau de l'hameçon, rien de particulier. Là, c'est un taille 4. Et au niveau de l'èche, comme je vous ai déjà dit, sur le plan d'eau, je me casse pas la tête. Hein. Je prends les bouillettes qui sont vendues pour les pêcheurs, les CX. Elles fonctionnent très très bien. Donc là, j'ai éché une CX en hard wafter. Donc les hard wafter, c'est des bouillettes qui sont durcies et équilibrées.
donc mieux résister plus longtemps à l'attaque des écrevisses et des blancs, etc. Et équilibrer, donc ils vont optimiser la présentation. Pour aller plus loin dans cette présentation, j'ai inséré un boudin en liège dans cette hard wafter, ce qui fait qu'elle sera encore plus équilibrée et elle va être même très légèrement flottante au point de se décoller et l'hameçon est plaqué sur le fond. Donc là, pour en termes de mécanique de montage, pour déjouer la méfiance de certains poissons, là c'est vraiment idéal. Donc voilà le montage préconisé, très simple, très classique. Je reviens sur un élément important. Je vois souvent des pêcheurs qui utilisent des gaines anti-emmêleurs. Pareil, strictement interdit. De une, absolument inutile. Avec les matériaux d'aujourd'hui, la rigidité des bas de ligne utilisées 90% du temps, il n'y a pas de risque d'emmêlage, donc inutile. Et ensuite, les gaines anti-emmêleurs sont souvent très très fines, ce qui fait qu'en cas de casse, 9 fois sur 10, la gaine ne passera pas le nœud de tête de ligne. Tous ces aspects du règlement au niveau du montage sont extrêmement importants. Comme vous pouvez le voir, tous les poissons capturés jusqu'à présent lors de cette session sont absolument impeccables. Les gueules sont nickel, les nageoires sont impeccables. Ce n'est pas le cas de tous les poissons malheureusement du plan d'eau. Nous en avons quelques-uns qui, à cause d'aléas, sont un petit peu abîmés. Heureusement, il y en a très 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 peu. Donc on fait tout pour les préserver, c'est notre priorité absolue. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, la santé du poisson avant tout. C'est pour cette raison également que j'insiste lourdement quand j'envoie le dossier de réservation pour que le règlement me soit retourné signé afin que vous ayez pris connaissance de toutes les règles qui sont en vigueur sur le lac. Ça évite les problèmes, ça évite les surprises lors de votre arrivée et au moins il n'y a pas de problème en cours de pêche. Donc je compte sur vous, la santé des poissons, la beauté des poissons en dépend et ça n'influera absolument pas du tout sur les résultats. Je vous dirai la preuve aujourd'hui en image, aucun impact. On a équipé chaque poste également de tables de pique-nique. Je pense que niveau confort, vous serez au top. Pour que vous ayez le maximum d'infos concernant le lac et ce poste, puisque c'est le but de cette vidéo, on compte environ 350 poissons. C'est un plan d'eau non vidangeable, donc c'est une population estimée. En moyenne, la profondeur du lac est de 2,80 m quand le lac est plein. Et on descend à environ 2 m lorsque l'été est passé et le lac est à son plus bas niveau. Au niveau des fonds, les fonds sont complètement plats. On a uniquement un haut fond sur le poste 4 et un haut fond au bout du poste 1. Partout ailleurs, le lac est complètement plat. Les différences qu'on peut trouver, ce sera des différences de substrat. Le lac est en majorité sur des fonds sableux, parfois une couche de 10 à 15 cm de vase, parfois vous aurez des taches de gravier. Absolument aucun obstacle en pleine eau, donc c'est complètement sécurisé pour votre pêche et pour les poissons. Lors de votre séjour, vous pouvez venir avec des accompagnants. Nous limitons le nombre d'accompagnants à 2 adultes majeurs par poste. Il n'y a pas de limite pour les enfants mineurs. Vous pouvez également accueillir des visiteurs. La seule contrainte est que les visiteurs doivent être absolument repartis du site à 18h pour des raisons de tranquillité et de sécurité, puisque le site est complètement clos, vidéo surveillé. Et pour garantir cette tranquillité pour tous, nous demandons à ce que chaque visiteur soit parti pour 18h. Au niveau du biotope, il faut savoir qu'en plus des carpes, on a une quantité moyenne de brèmes et de tanches. Elles ne sont pas très nombreuses, par contre elles sont très grosses. Les tailles moyennes des brèmes, entre 2,5 kg et 3 kg, idem pour les tanches. Donc inutile de vous dire que lorsque tout ce petit monde passe à table, ça ramasse quand même costaud. En sachant qu'on a aussi pas mal d'écrevisses, c'est un fléau sur la période juin, juillet, août. À partir de septembre, elle se calme nettement. Là, nous sommes mi-septembre, ça pêche sans aucun problème. Pas besoin de bâcher, si ce n'est vraiment par sécurité pour ne pas perdre de temps. Mais depuis 3 semaines, 1 mois, les pêcheurs ne bâchent plus et ça se passe très bien. En début de saison, aucune écrevisse non plus. Donc c'est vraiment les 3 mois juin, juillet, août où les écrevisses sont un peu pénibles. Par contre, ça pêche très bien à la noix tigrée. Au niveau des accessoires autorisés en pêche, le bateau amorceur en fait partie naturellement, donc aucun problème pour venir avec votre bateau amorceur. La barque est interdite pour la simple et bonne raison. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que nous aurions 90% des pêcheurs qui en profiteraient pour pêcher la berge en face, pêcher dans les obstacles ou trop près des obstacles. Ça occasionnerait bien trop de casses et de risques pour nos poissons.
Donc pour cette raison principale, c'est interdit. Et ensuite, on occasionnerait un trop gros stress au niveau des poissons lors de la dépose, des combats, etc. Ce qui ferait que les résultats s'en ressentiraient très rapidement. À aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a quelques instants, 90% des carpes se font en pleine eau, vraiment pour cette raison, puisqu'en pêchant du bord, on limite les nuisances, on limite tout ce qui est activité sur l'eau, et forcément, on favorise l'activité des carpes. À savoir que pour 2024, le poste 3 sera remanié, nous allons l'agrandir pour pouvoir y mettre deux grands bivis, et on va également y ajouter un WC au niveau du poste 4, ce qui évitera, lorsque vous avez le besoin, de faire tout le tour du lac. Donc le WC sera à peu près à 250 mètres du poste et ce sera un bien meilleur confort pour vous. Bon, comme vous pouvez le voir, quelques moutons se promènent sur le pourtour du lac. Donc ils sont environ 25 ou 30. Ils sont vraiment pas embêtants, vous voyez, ils font juste passer, ils font leur vie tranquillement. Par contre, ce qu'on vous recommande systématiquement, ne pas les apprivoiser, c'est super important. Des moutons apprivoisés, ça devient vraiment très très embêtant, très gênant. Donc on les laisse gambader tranquillement. Si vous avez des chiens, bien évidemment, c'est en tenir compte. Tenez-les attachés, c'est super important aussi. N'oubliez pas, les animaux sont chez eux et nous sommes chez eux. Donc on fait tout pour vraiment préserver la faune environnante et faire en sorte que ça reste un cadre paisible et très agréable. Pour ce qui est des cannes à la graine, j'amorce la Tiger uniquement. Donc les Tigers qui sont disponibles pour le plan d'eau, hein, je fais vraiment au plus simple. J'utilise les produits qui sont utilisés tout le temps et qui fonctionnent sur le lac. Donc Tiger sous vide, prête à l'emploi. C'est celles qui sont commercialisées pour tous les pêcheurs, hein, donc il n'y a aucun souci. Très bon produit, j'y vais vraiment les yeux fermés. Et ça marche très très bien. Donc, concernant mes cannes qui sont à la bouillette, donc j'utilise un mélange pelé-bouillette. J'ai commencé de façon classique, donc pelée et bouillette sèche. Je me rends compte que les poissons ont un peu de mal à rentrer franchement sur l'amorçage. Je pense qu'ils tournent un petit peu autour par méfiance très certainement. Donc là ce que je vais faire, je vais maintenir un amorçage principal pelée bouillette classique, hein, standard. Par contre je vais y mettre les cannes de chaque côté pour prendre un peu les poissons qui resteraient en dehors de l'amorçage. Et sur les cannes, je vais y mettre un mélange pelée bouillette, mais cette fois-ci que j'ai boosté et ramolli. C'est-à-dire que j'ai mis du liquide CX, j'ai tout nappé très généreusement. J'ai mis deux casseroles d'eau bouillante dessus pour ramollir les pelées, ramollir les bouillettes et vraiment imprégner tout ça du liquide. L'idée, c'est de faire une petite tache sur les cannes. Ça attire beaucoup les mouches, d'ailleurs ça a l'air d'être très, très odorant. L'idée, c'est vraiment de créer un petit spot très attractif sur le montage et d'avoir vraiment une tache où les poissons peuvent se nourrir tranquillement. Il n'y aura pas de montage dessus, ça pêchera en périphérie. Et j'espère déclencher quelques touches et capturer quelques poissons qui seraient un peu plus méfiants. Encore une touche de journée. Les poissons sont bien plus actifs la journée que la nuit en fait. Donc c'est bien, c'est top. Et là en 24 heures, on est à 8e touche. Donc c'est bien, c'est un beau rendement. Les poissons sont bien actifs. Ça c'est une canne que j'ai placée à l'extérieur de l'amorçage. Je vous avais dit que je pensais que les poissons avaient un peu de mal à rentrer sur un amorçage assez lourd, donc celle-ci je l'ai mise un bon 5 mètres en extérieur. Une petite flottante décollée juste de l'hameçon, sorte de leurrer un poisson qui tournerait autour de l'amorçage, et puis visiblement c'était pas trop mauvais, donc c'est plutôt pas mal. En fait, j'ai aucune canne qui pêche la bordure en face, c'est pas compliqué. Il y a trop d'encombrements, trop d'obstacles. Et j'ai remarqué que les poissons, même si on les voyait régulièrement dans les branches en surface, en fait, c'est pas spécialement là qu'elles s'alimentent. Donc, plutôt que d'aller les chercher dans les branches et risquer de les perdre une fois sur deux, voire plus, je préfère pêcher proprement à 15-20 mètres. On fait pas moins de touches hein, au final, la preuve. Mais par contre, les poissons, on a un peu plus de temps de réaction. C'est des poissons qui ont le feu hein, tout le temps. Tout le monde nous dit, hein, les carpes sont vraiment hyper nerveuses. Elles ont tendance à partir de gauche à droite en permanence, les rushs, etc. Donc ça permet au moins de contrôler un peu mieux les poissons et de surtout pas leur faire prendre de risques inutiles. Hein. Si elles mordent à 20 mètres des branches, pourquoi aller les chercher dans les branches, tout simplement.
Superbe miroir, bien ronde. Un poisson qui va pousser vite et fort. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est de les voir dans cet état-là. Magnifique, encore une fois, pas abîmé, rien. Et vraiment, vraiment superbe. Très joli poisson. Pour ce qui est des périodes d'ouverture, sur 2023, on va fermer fin novembre pour réouvrir le 2 mars 2024. On termine ensemble ce 48 heures. On aura fait au total une quinzaine de poissons, donc plutôt bien actifs, hein, c'est un bon résultat sur 48 heures. On est très content, très satisfait. Le but premier de cette vidéo, c'était pas de vous en mettre plein la vue avec les poissons, c'était vraiment de vous apporter un maximum d'informations pour préparer vos futures sessions. J'espère qu'on aura été le plus complet possible. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour vous accueillir sur Carpe Experience et bonne préparation. Et pour toute autre information, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.carpexperience.com ou envoyez-nous vos questions par WhatsApp, par Messenger ou par SMS. On y répond toujours très rapidement.